Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Fantastique Phil, alias moi Alex. Et puis cet épisode-ci, j'avais le goût de parler d'une de mes séries préférées, une de mes séries fétiches, je dirais probablement quasiment ma série fétiche, qui est American Horror Story. Et puis là, dans le fond, je viens juste d'écouter, ça fait peut-être une couple de jours, on a fini la saison 6, parce que moi, je les écoute pas à TV, là, j'attends qu'ils sortent en DVD, là. Puis là, on vient de finir Roanoke, qui était malheureusement pas ma préférée. À date, j'avais pas jamais vraiment été déçu. Pas déçu, mais en tout cas, je vais en venir en ordre. Là. Fait qu'on va parler dans le fond de toutes les saisons, là, ni plus ni moins, de cette merveilleuse série. Qui a commencé en 2011, je pense. 2011, exactement. Fait que la première saison, hein, American Horror Story. Pour ceux qui n'ont pas vu ça vite fait, là, l'histoire, en gros, c'est une famille qui est comme en train de s'effoirer parce que Marie trompe sa femme. Leur jeune, c'est très belle. La femme, elle a perdu son petit bébé qu'elle attendait. Ils décident de déménager pour essayer d'arranger leur vie, tout croche. Ils décident d'acheter une maison à Los Angeles, dans le bout d'Hollywood, qui est juste une maison, ce qui est arrivé plein de merde. Plein de monde sont morts dans cette maison-là. La blague d'Alieu est allée là. Tu sais, quand tu dis là, une maison qui est arrivée de la merde, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Puis je me rappelle, la première fois que j'ai vu la pochette de cette série-là, parce que dans le temps, personne ne savait c'était quoi, mais c'était pas connu. Puis j'ai vu cette pochette-là, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Non, mais sérieux, là, tu sais, t'as comme un genre de gimp en latex, avec une chix rousse moitié à poil. J'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais? Fait que là, pis quand il m'a l'essayé pis tout, pis écoute, j'ai découvert une série hallucinante, haut en couleur et crissement intense, comme j'aime tellement dire. Parce que je me suis rendu compte que je disais souvent intense, pis c'est intense parce que j'aime ça quand c'est intense. Fait que c'est ça. Fait que. Donc, c'est intense. Et puis, saison 1 est juste malade. En plus, les acteurs sont écœurants, Jessica Lange, pis. Dylan McDermott, je pense, le nom du gars. T'as Connie Britton qui fait sa femme. T'as Taissa Farmiga qui, dans le temps, je pensais que c'était la fille de Vera Farmiga qui fait Madame Warren dans La Conjuration. Et Madame Bates dans Bates Motel, qui est très jolie et très bonne actrice. Mais finalement, c'est sa sœur. J'étais comme, ok, il y a comme un bon écart d'âge entre les deux. Mais c'est pas grave. Fait que, pis t'as Evan Peters qui fait un genre de Kurt Cobain. Pis ça touche à tout, hein. T'as comme justement lui, il fait un genre de gars qui tue du monde à l'école. Pis tu sais, t'as comme le genre de Columbine. Pis en tout cas, bon, c'est. Pis t'as la maison hantée, le genre le mythe de la maison hantée. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça touchait à tout. Pis c'est une première saison écœurante. Après ça, ils ont fait Asylum. Asylum qui. On est plus ou moins planté la saison 1, tellement que c'était bon puis intense. Et tellement que c'était ahurissant ce qui se passe dans cette saison-là. Là. En plus, les asiles, moi c'est une affaire qui m'a toujours fait freaker les asiles, puis la folie mentale, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Fait que dans cette saison-là, c'est ça. Puis quel asile dans lequel on se trouve. Et puis, avec la fameuse photo là, de l'escalier en envers, là, ça fait freaking, on va jouer ça. Et puis, c'est ça. Fait que, seconde saison hallucinante. Mon Dieu, il se passe tellement d'affaires dans cette saison-là. Avec un grand acteur qu'on a vu la première fois dans celle-là, puis je pense qu'il n'a jamais joué dans les autres. C'est quoi déjà son nom? James Cromwell, qu'on a dû voir dans plein d'affaires, qui fait le papa allemand dans Explorers. Entre autres, et puis qui joue dans. Écoute, ça serait long de faire la liste des films qu'il a fait, là. Qui fait le papa de Louis dans Les Tronches. Préservatif! C'est ça. Fait que. Puis il fait un genre de docteur allemand, là, qui est probablement un criminel de guerre, Deuxième Guerre mondiale, là. En tout cas, c'est pas clair, là, tu sais. Fait que. C'est une saison excellente. Puis j'ai bien aimé la fin. Parce que la fin, c'est inspiré. On sait, n'importe qui tripe moindrement sur American Horror Story sait que American Horror Story s'inspire souvent, très souvent, de vraies affaires. Si on regarde toutes les. Je veux dire, en saison 1, t'as la Black Dahlia. Saison 2, il y a
plusieurs affaires là, que je pense pas toutes, là, mais là, l'affaire de la fin, dans le fond, le reportage que la fille a fait, Sarah Paulson, son personnage a fait un reportage dans l'asile, quand il retourne à la fin, puis elle filme en noir et blanc, comme en noir et blanc ou en genre sépia, là, en tout cas. Puis là, elle dénonce qu'est-ce qui se passe dans cette asile-là. Ça, c'est directement inspiré d'une vraie vidéo que Geraldo Rivera avait faite dans les années 70. Si vous voulez voir ça, allez, je suis vraiment sûr que ça y est sur YouTube. Puis ça, c'est vrai. C'est des vraies images. Puis il rentre dans cette asile-là parce qu'il y a un docteur qui avait communiqué avec pour lui dire comment c'était dégueulasse les conditions dans lesquelles les patients vivaient. Puis que même les travailleurs travaillaient, dans le fond, les infirmiers puis les infirmières. Bon. Puis il avait été filmé là. Puis écoute, c'est des histoires, là, des images vraiment là, abominables. Là, c'est comme, puis c'est vrai. Puis ça, la fin de ça, c'est carrément inspiré de ça. Fait que ça m'a fait freaking, juste, mon Dieu, je savais d'où ça venait, tu sais. Fait que, puis à travers toute la série, il y a toujours des affaires là, qui sont inspirées de vraies affaires. On en vient à la saison 3, dans le fond, Coven, on a Marie Laveau là-dedans, qui était une prêtresse voodoo légendaire à New Orleans. On a Madame Lalaurie, qui est une tueuse légendaire, une tortionnaire légendaire dans l'histoire de New Orleans. Madame Lalaurie, la première fois que j'entends son histoire, c'était assez intense. C'était une genre de folle, c'est une française, dans le fond. Puis elle, son mari était médecin. Fait que il était riche, tu sais. Puis la maison dans laquelle il vivait existe encore, puis elle était apparemment très, très hantée, pour ceux qui croient ça. Puis Madame Lalaurie, c'était une crise de folle. Dans le fond, elle, son extérieur, c'était plus ou moins une femme aisée qui faisait des parties, puis qui était vraiment comme une citoyenne riche, mais tu sais, exemplaire. T'sais. Sauf qu'en arrière de ça, c'était une tortionnaire totale. Elle, dans le fond, elle s'amusait à torturer les Noirs. T'sais. Puis dans son grenier, elle avait un genre de salle de torture. Où est-ce qu'ils ont trouvé toutes sortes d'affaires? Parce qu'elle s'est fait pogner une année. Mais ils l'ont pas pogné. Ça, c'est une des affaires d'ailleurs. Ils n'ont jamais su qu'est-ce qui est arrivé. Elle s'est comme juste poussée. Parce que, dans le fond, il y a une de ses employées qui était enchaînée dans la cuisine. Elle avait une chaîne après elle. Puis tout ce qu'elle pouvait faire, c'est rester dans la cuisine. Elle avait un petit coin où elle dormait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était faire de la bouffe. That's it. Elle ne pouvait pas rien faire d'autre. Puis à un moment donné, elle a juste crissé le feu. Parce qu'elle était tannée de ses conditions de vie. Puis la police, les pompiers sont arrivés. Puis là, sous prétexte de vérifier si le feu n'était pas pogné ailleurs, ils ont brisé la porte du grenier. Quand Mme Lalaurie a vu ça, elle s'est fait comme « OK, ben je suis dans la merde ». Fait qu'elle a commencé à ramasser des affaires, puis elle s'est poussée. Puis quand ils sont montés dans le grenier, ils ont découvert son grenier des horreurs. Puis écoute, c'est un peu comme, j'imagine, le genre de feeling que certaines personnes ont eu quand ils ont ouvert la maison d'Ed Gein, de Wisconsin. Ed Gein, qui est un autre fou furieux assez solide. Puis quand ils ont ouvert la porte de sa maison, puis ils ont vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, c'était un peu la même affaire que le grenier des horreurs de la Madame Lalaurie, qui était rempli de noirs attachés, genre torturés. Il y en avait un, apparemment, qu'un petit gars, il avait comme la moitié de la face arrachée, puis il le tenait en vie, puis il le soignait pour pas qu'il meure, mais il y avait comme tout le visage qui était à vif. Puis il y avait une femme, elle avait été squeezée dans une cage à chien, d'un grosseur d'un chien moyen, fait qu'elle était toute pétée, elle ressemblait à un crabe, genre, ni plus ni moins, quand ils l'ont sorti de là. Puis ça, c'est rien qu'une coupe d'affaires. Fait que, c'est ça. Puis, ben, Coven, évidemment, c'est une histoire de sorcière. T'sais. Fait qu'il parle de Marie Laveau, puis bon, nanana. Fait que moi, j'avais bien aimé la saison 3. Parce que je tripe sur la sorcellerie, pas jouer en film. Je touche pas à ça, mais je veux dire, ça m'intrigue, ça m'a toujours fasciné, ces affaires-là. Puis, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison. J'ai bien aimé le personnage de la noire, là. Je pense que c'est Gaboury Sibid. C'est comme une genre de. Puis vaudou vivante, là, elle peut se taber, puis là, ça décide que c'est à l'autre que ça va. Ça, je trouve ça excellent. Puis même, ils font une autre référence à une affaire qui est arrivée pour vrai, c'est le Axeman de New Orleans, qui était un tueur, qui a quasiment un genre de Jack l'Éventreur, parce qu'il a tué comme 4 ou 5 personnes, mais après ça, il a disparu de la map. Fait qu'il a vraiment peut-être tué ailleurs, mais tu sais. Puis c'était violent, ces affaires, c'était à coup de la hache, je pense, je me rappelle bien. Je ne me rappelle plus exactement quelles années. Je pense que c'est peut-être dans les années 30. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé pour elle. Vous allez voir sur Wikipédia, le Axeman, dans le fond, le malache. Fait que ça, il est dans le film. Dans la série, c'est. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'acteur. Là. C'est un acteur qu'on a vu dans plein d'affaires. Il joue encore dernièrement dans Wonder Woman, qui faisait le chef nazi fatigant.
Puis c'est lui qui fait la X-Men. Fait que, toujours inspiré de vraies affaires, American Horror Story, ça s'en ira jamais. Saison 4, Freak Show, qui était un autre. Moi, je suis toujours trippé sur les cirques, puis sur les Freak Shows, ces affaires-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Fait que saison 4, je suis une corde sensible, évidemment, un peu comme Coven, puis on dirait toujours que c'est des sujets. Tous les sujets d'American Horror Story, c'est toutes des affaires qui, moi, m'ont toujours fasciné. La première, la maison hantée dans le premier, l'asile dans le deuxième, les sorcières dans le troisième, les freak shows dans le quatrième. Puis c'est que ça tout le temps, là, je veux dire. Chaque sujet, on dirait quasiment que c'est quelque chose qui ont comme. Ben, tu sais, ils ont pas fait ça pour moi, là, mais on s'entend. Mais je suis pas à ce point-là, mais tu sais, on dirait que c'est toujours des affaires qui me fascinent, tu sais. Fait que c'est comme. Déjà, je suis comme vendu d'avance. Puis les Freak Show, ben, c'est la même affaire. Puis une autre affaire, c'est les couvertures de American Horror Story, les pochettes, là, on s'entend qu'ils sont tout le temps comme hallucinantes. Fait que c'est ça. Fait que saison 4, débile. Histoire de freak de cirque reject. Avec le beau Dandy, là, le genre de petit-fils de riche fatigant qui a astiqué, mais nerve, ben raide, qui se met avec la femme à deux têtes. Puis j'ai bien aimé le clown, d'ailleurs, avec son genre de masque. Que ça, carrément. C'est hallucinant, son look. Là. La première fois que tu le vois, tu fais comme « OK ». Et la délicieuse Lily Rab, qui fait une sorcière hippie, juste trop cute. Fait que saison 4 de Carrion, là, avec Evan Peters et son homme crabe, qui lui aussi est inspiré d'une vraie affaire. Ça, encore là, inspiré de toujours inspiré de vraies affaires, « American Horror Story ». On en vient à la cinquième saison qui était Hôtel, encore là, les hôtels hantés où c'est passé plein d'affaires bizarres. Une autre de mes fascinations, un autre de mes fétiches. Dans ce cas-ci, Hôtel, c'était littéralement inspiré de ben, un paquet d'affaires, mais l'hôtel en particulier se sont inspirés de l'hôtel Cecil, qui est à Los Angeles, qui est dans le Skid Row, le secteur Skid Row de Los Angeles, qui est devenu le secteur Skid Row, parce qu'à l'origine, quand ils ont bâti l'hôtel, c'était pas ça, c'est devenu Skid Row. Skid Row, en fond, on va dire, c'est comme le quartier pauvre, un des quartiers pauvres de Los Angeles. Puis, cet hôtel-là, quasiment dès le début, ça a été comme un aimant à suicide, à tueur. Il y a un paquet d'affaires qui s'est passé là. Il y a un paquet de monde qui se sont pitchés en bas des fenêtres. C'est le lieu de suicide de bien des gens. Les tueurs en série se sont tenus là. Puis, encore là, une couple d'années, ça l'a passé dans ça a été dans les journaux, littéralement. Parce qu'une touriste canadienne qui s'appelait Elisa Lam, qui a depuis le moins se promenait, voyageait. Elle était à Los Angeles, elle a décidé de passer une couple de jours dans l'hôtel Cecil. Puis subitement, Manel a disparu. Puis ça a pris une couple de semaines avant qu'elle la trouve, puis on finit par la trouver, puis elle était dans un des... puis ça, c'est vraiment étrange, parce que c'est quasiment identique comme le film Dark Waters. Dark Waters, avec Jennifer Connelly, le remake du film japonais, qui ont la même trame, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui est poignée dans une tank d'eau sur le top du building, puis qui contamine l'eau, parce que à l'hôtel Cecil, le monde, pendant genre 2 ou 3 semaines, ils ont bu de l'eau dans laquelle traînait un cadavre. Fait que ça, c'est vraiment... Les musées se sont brossés les dents avec du jus. Oh, ah, c'est... Je vais prendre une gorgée sur ça. C'est dégueulasse. Imagine, tu vas passer genre 2-3 jours à l'hôtel Cecil à Los Angeles parce que t'es en voyage pis t'as pas eu le goût de pêcheur parce que t'as comme reconnu comme un hôtel cheapette. Et tu te rends compte, tu t'es brossé les dents avec du jus de cadavre pendant une couple de... C'est pas... Puis là, je trivialise ça parce que la fille est quand même morte, c'est pas cool. Là. Et d'ailleurs, on sait pas trop. C'est quand même nébuleux, sa mort. C'est pas sordide, mais c'est nébuleux. Là. Ils savent pas trop qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme pas clair. Puis en plus, il y a une vidéo. Puis ça, si vous aimez des affaires bizarres, là, allez voir sur YouTube ou sur Internet le cas d'Elisa Lam. Elisa, Lam, L-A-M. C'est vraiment bizarre. Puis il y a une vidéo qui a été tournée. Depuis moi, c'est une vidéo qui a été filmée dans l'ascenseur, un des ascenseurs de l'hôtel, dans laquelle on la voit. C'est comme la dernière image qu'on a d'elle. Puis elle agit d'une manière vraiment bizarre. Elle a peut-être juste pété un plomb. Ils n'ont pas trouvé de drogue dans son système.
mais en tout cas, c'est la vidéo est vraiment bizarre. Puis c'est littéralement les dernières, les dernières images qu'on a de cette femme. Parce que pas longtemps après ça, elle s'est retrouvée sur le toit, puis c'est ça. Fait que l'hôtel d'American Horror Story, là, c'est une grosse parenthèse que je viens de faire là, mais c'est basé là-dessus. C'est basé sur l'hôtel Cecil. Puis il y a Night Stalker, Richard Ramirez, qui se tenait là pendant qu'il tuait. Il y a Richard Unterweger, qui est un autre tueur en série, qui se tenait là pendant qu'il tuait. Quand il était aux États-Unis, parce que c'était un autre tueur australien. Fait que, c'est ça. Puis en plus, l'hôtel, c'est inspiré. Écoute, le personnage de Lady Gaga, littéralement inspiré de la comtesse de Bathory. T'as toutes sortes d'aspects fucky. Le personnage de Angela Bassett, qui est comme genre. Personnage genre Blaxploitation. En tout cas, il y a un paquet d'influences. Moi, j'ai vraiment trippé sa saison 5. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé. Puis d'ailleurs, c'est la première qu'ils ont traduit en français en DVD. Là. Mais moi, j'ai bien aimé la saison 5. Personnage de Lady Gaga, moi, je suis devenu un fan de Lady Gaga quand j'écoutais ça. Parce que je trouve pas sa musique, mais là-dedans, j'ai trouvé qu'elle. J'ai trouvé bonne. J'ai trouvé qu'elle était bonne actrice, mais elle était assez intense. Puis tous les autres acteurs, il y a Matt Bomer, je là-dedans. Il y a Kathy Bates. Kathy Bates, qui, elle, a commencé dans Coven, je me trompe pas. Mais là, Star, elle est dans chaque saison, puis elle est tout le temps bonne. Angela Bassett, je pense que c'était sa première. Non, c'est pas vrai. Angela Bassett, elle est là depuis Coven aussi. Fait que, en tout cas, le casting est carré. Hein? Evan Peters qui fait une autre affaire qui est basée sur une autre affaire qui est vraie. H.H. Holmes. Evan Peters qui est littéralement H.H. Holmes. Qui avait Henry, je sais pas quoi. H.H. Holmes. Qui est comme reconnu comme étant un des premiers tueurs en série américains. Qui avait trafiqué un building ni plus ou moins une manufacture de cadavres. Il y avait des pièges, il y avait des trappes. Il tuait du monde, il les drapait en quelque part, tombait dans un bain d'acide, puis il récoltait, genre, je pense, leur assurance, en tout cas. Un genre de tueur crasseur, là. Puis le personnage d'Evan Peters dans l'hôtel, il est inspiré de lui. Fait qu'un autre basé, c'est une autre affaire qui est arrivée pour vrai. Puis même, ils en ont mis d'autres, là. Ça, c'est. American Horror Story, c'est truffé de références à des vraies affaires, là. Même moi, je les pogne pas toutes, des fois, fait que. Ça, puis je suis maniaque pas mal. Et on en vient à la sixième saison, qui est Roanoke, ou My Roanoke Nightmare. Je dirais que c'est peut-être celle que j'aime la moins à date. Malheureusement. Parce que moi, American Horror Story, c'est mon fétiche annuel. Moi, quand American Horror Story, là, quand le mois d'octobre arrive, là, je sais qu'American Horror Story s'en vient, puis automatiquement, je me mets à mouiller mes culottes parce que j'ai tellement hâte d'écouter ça. À tous les ans, c'est une orgie de freakness, puis d'histoire écœurante, puis de justement basé sur des vraies affaires bizarres, sordides. Puis, en tout cas, moi, American Horror Story, là, c'est comme ma série fétiche, puis ça paraît. Mais Roanoke, je sais pas pourquoi, là, ça commence bien. T'sais, tout en partant, j'ai vu que. Ça, je le savais pas, parce que moi, j'avais comme vu. J'essaie d'écouter le moins de trailers possible, parce que. À Star, tu peux plus écouter de bande-annonce sans voir le trois quarts de l'histoire avant, puis ça me fucking fait chier. Fait que j'écoute de moins de trailers possible. Fait que je savais pas grand-chose là-dessus. Je savais que le rapport avec Roanoke. Roanoke, qui est la légende de Roanoke, qui est les colons, dans le fond, la première colonie qui a été établie aux États-Unis, qui ont essayé d'établir, qui ont établi sur une île juste sur la côte est, là. Je pense que c'est au large de la Virginie, ou de la Caroline du Nord. Puis, ils ont établi la colonie, ils ont sacré le camp d'Angleterre, ils sont revenus, les colons ont disparu. Puis, encore aujourd'hui, c'est une des plus vieilles légendes qui est rapportée aux États-Unis, là, tu sais, là, quasiment la première légende urbaine, là, tu sais, là. Fait, qu'est-ce qui est arrivé? Ont-ils été tués par des Indiens? Ont-ils été enlevés par des extraterrestres? Dans cette série-là, dans le fond, ils fournissent une hypothèse, tu sais, puis c'est bien correct, puis ça a de l'allure. Puis, moi, je pensais ce qui était pour être la série, mais la première partie de la série a été faite comme. A été conçue comme. Une histoire, une émission un peu à la Paranormal Survivor, ou à la The Haunting. Tu sais, c'est une histoire, dans le fond, une émission dans laquelle les gens racontent ce qu'ils ont vécu dans une maison, hantée, dans un. Whatever, un appartement, quelque chose qu'ils ont vécu qui est paranormal, dans le fond. Puis. C'est toujours filmé pareil. T'as toujours la personne qui raconte ce qu'elle a vécu, puis là, t'as une dramatisation faite avec des acteurs de ce qui s'est passé, t'sais. Puis ça, ils ont filmé ça comme ça. C'est-à-dire que t'as
deux acteurs, il y en a un c'est Lily Rabb, l'autre c'est un acteur noir que je connais pas, qui joue les rôles de Shelby puis Matt, je pense. Puis là, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Puis là, t'as une dramatisation qui est avec Cuba Gooding Jr. Qui joue Matt, puis Sarah Paulson qui joue Shelley. Puis là, tu vois dans le fond ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une maison en Caroline du Nord, après quelque chose qui est arrivé à Los Angeles, qui n'ont pas trippé. Ils ont décidé d'aller dans un milieu rural. Puis là, ils ont fait une vieille maison. Mais une vieille maison, là, qui date du genre du... Je pense qu'elle date du 16e siècle ou 17e siècle. En tout cas, c'est vieux, là, tu sais, là. Puis d'ailleurs, il s'est passé un paquet d'affaires là, on s'en rend compte. C'est une maison quasiment comme dans la première saison, là. Il s'est passé bien de la shit. Fait qu'il y a de multiples fantômes et de multiples hantises qui sont pognés là. Fait que c'est ça. Fait que là, ils nous racontent dans le fond ce qu'ils ont vécu. Puis là, c'est le même jusqu'à la milieu à peu près de la saison. Là, au milieu de la saison, pfiou, il est arrivé ça de bord. Puis là, ça devient comme une pastiche des télé-réalités. Puis là, c'est là que j'ai fait comme... Parce que la deuxième partie de la saison est bonne. Mais, je sais pas, on dirait que ça... J'ai pas trippé tant que ça. On dirait que ça m'a comme tapé ses nerfs un peu. Les péripéties qui ont suivi, j'étais comme... Parce que moi, j'aimais bien... C'est ça, la première partie de la saison, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'aime ça quand il raconte justement l'origine de la sorcière de Lady Gaga, qui est comme la source de toute cette shit-là. Là. C'est elle qui a comme tenté les colons, puis bon, tout ça. Puis ils ont comme transformé en ce qu'ils sont devenus. Puis, t'as le personnage de Dennis O'Hare, qui est comme le chercheur, qui est là, lui, il est comme viré fou un peu à la genre Doc Brown. Là. Il est comme, ah oh, mon Dieu, mais. Tu sais, lui, il a fait des recherches sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là, puis bon, puis nanana. Puis, toute l'histoire avec justement Shelby, puis la sœur de Matt, puis bon, tu sais, t'as eu un paquet d'affaires dans le fond. Fait que c'est ça. Puis, mais là, après ça, on dirait que, je sais pas, moi, le côté de la réalité, là, quand ils rassemblent tous les acteurs, là, pis là, mettons, t'as quand même un thème de convention, là, où ce qui, les acteurs sont là, pis là, qui, les acteurs qui jouent des acteurs, qui jouent des acteurs, là, je sais pas, je trouvais ça, ok, c'est des beaux clins d'œil, pis tout, pis, tu sais, pis, ils se foutent vraiment d'un paquet d'affaires, là. Ils se foutent des réalités, ils se foutent justement de tout le trip, là, des geeks de convention, pis des affaires là-même, pis, ils se foutent des youtubeurs, hein, la genre de Mongolie, là, du monde, là, que s'ils n'ont pas tant de likes sur leur page, ben là, ils sont pas cool, là. On parlait, là, pas longtemps, Black Mirror, là, d'un épisode de Black Mirror, on parlait de Black Mirror, on parlait du au Figaro Geek Show, de la série Black Mirror qui joue à Netflix, pis, tu sais, il y en a un épisode, c'est le même, là, tu sais, comme, dans ta vie, si t'as pas de likes, ben, t'existes pas, là. C'est un genre de trip, là, tu sais, que, maintenant, là, regarde, c'est le fun de faire du YouTube et tout ça, là, mais faut pas virer fou, là, t'sais, là. Fait qu'il rit un peu de ça, parce qu'il y a comme trois bangs qui se pointent sur les lieux du tournage pour essayer de, justement, mousser leurs subscribers, là, sur leur page, là. Parce que, ah, on est rendu à tant de likes, là, wow, est-ce qu'on est hot, là? Comme, ok, c'est bon, là, t'sais. Fait qu'il se fout de la gueule de bien des affaires, t'sais. Puis c'est bien correct, mais, en tout cas, j'ai trouvé que... Je sais pas, ça tirait un peu n'importe où dans la saison 6, la deuxième partie. Là. Fait que c'est ça. Fait que Roanoke à Dax, c'est pas, mettons, à Dax, c'est pas celle que j'ai préférée, mettons. Puis là, ben, la nouvelle est déjà commencée. Je sais pas, ils sont en jouer exactement dans la saison, là, mais je sais qu'elle joue déjà. Là, c'est culte, dans le fond. Fait que là, c'est basé sur des cultes, ou sur un culte. Fait que c'est une secte, ni plus ni moins. Là, fait que. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y a une petite galerie. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi ça. Mais c'est dans un an. Fait que ça on va attacher le truc. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est ce qui termine ce petit récapitulatif de la série American Horror Story. Qui va toujours rester une de mes séries fétiches. Même si Roanoke, j'ai pas trippé tant que ça, j'ai quand même trouvé bonne pareil. Puis ça m'a pas. C'était divertissant, ça m'a pas ennuyé du tout. Juste que, tu sais, c'était comme pas. Tu sais, c'était pas à la hauteur de mes fantasmes de American Horror Story qui sont jusqu'à. Les cinq premières saisons qui sont juste comme. Oh mon Dieu, juste merveilleuses. Alors, et très intense. Donc, c'est ça. Donc, je suis intensivement vôtre. Et sur ce, à la prochaine et on se retrouve pour un autre épisode du Fantasticophile. Bye bye!